Qu'il y a des plaisantins par chez lui. On va faire un petit coucou. À tout. Et 73-51 à vous les stations de la part de Dundee 33, ça passe bien de mon côté. Ok Dundee 33, il n'y a pas de problème, de bonjour de 7h33 et de Fredo 34. Ok d'accord, bonne route à vous deux. Ok merci, il n'y a pas de problème, dis-moi attention, c'est toi qui fais des essais sur 26 millions avec un Peugeot Partner blanc. Non, j'ai pas un partenaire blanc, à chier trois coups. Mon véhicule est blanc, effectivement, je suis partout sur Internet. À chier. C'est un Duster blanc que j'ai exactement avec l'antenne Wilson 5000 au centre du toit. Et au niveau du poste, dans la voiture, c'est un président Lincoln 2 que j'ai. C'est confirmé, c'est bien moi. Et là, si ça te dérange pas, je fais une petite vidéo comme ça. Là, tu pourras voir ce que ça donne. Ok, affirmatif, y a pas de souci. Ça fait plaisir de parler avec toi parce que l'autre jour j'hésitais, je vais essayer de l'appeler sur cette émission, mais bon, j'ai pas réussi à t'avoir. Je sais pas où t'étais, tu te passes que sur la fréquence. Ben, disons que ce qui se passe, c'est que je travaille partout, je travaille le jour, je travaille la nuit,
Et comme là, par contre, aujourd'hui, là, je suis en repos. Et donc là, sur la vidéo, ce que tu verras, bah, c'est mon installation que j'ai là au domicile. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai des heures différentes, ceci, cela. Comme samedi, par exemple, eh bien, je serai en journée là du côté de Saint-Émilion. Dimanche, j'ai un petit peu de l'arcelle dans le poste. Ouais, j'entends ça, j'ai le micro qui est un peu poussé peut-être. Dimanche, par contre, je serai en nuit du côté de Cadojac. Donc tu vois, là, je navigue beaucoup là, au niveau du pro. Cadojac au sud de Bordeaux. Ouais, affirmatif, ouais, ok, ouais. Je vois aussi Cadojac, y'a pas de problème. Ah ouais, tu vas assez loin, tu te balades, quoi. Ah ben pour le boulot, oui, c'est ça, hein. Et chaque fois dans la voiture, j'ai plus souvent la CB d'allumer que l'autoradio, quoi. Oh, c'est bien, au moins ça fait plaisir, hein. Puis au moins ça remet la CB en cours, parce que pendant quelques années, elle était un peu perdue, cette pauvre CB. Il faut la remettre à jour, parce que comme ça, ça fait téléphone à grandir. Oui, voilà, c'est sûr, c'est comme tu dis, hein, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien, c'est de la liaison directe, donc les relais téléphone, internet, tout ça, ça peut tomber en panne, nous on s'en fiche là-dessus, quoi. Ça fait déjà quelques années, hein, que je suis en sorte de redynamiser la CB, hein, puisque j'ai mon forum, la planète CB francophone, que tu dois peut-être connaître. Bon, la chaîne YouTube, bon, tu la connais déjà. J'ai un groupe du même nom sur Facebook, je suis sur d'autres réseaux sociaux aussi. Là, je suis un peu partout, quoi. Hachi, par contre, là, je suis en train de te perdre. Alors, pendant que j'ai encore le micro, je vais t'envoyer les bonnes 1351 à toi. Bonne route et à la prochaine là-dessus. Et merci pour ce petit contact. Ok, merci, bye bye, et puis à la prochaine. Ah ben, ça remonte. Je suis content de t'avoir rencontré, il n'y a pas de problème. Bon, attends, là, ça remonte un petit peu. Je sais pas où t'es rendu. Là, là je te reçois à Santiago 5. Bon, ben, on va continuer un petit peu comme ça. Et ton collègue, il est toujours là? Je l'entends plus. Ah, Fredo, t'es là? Ouais, on dit que les CB, c'est gratuit, mais il faut quand même les payer, les affaires. Hein. Oui, passe oui, bien, il passe bien. Hachi. Eh oui, mais bon, si tu regardes bien un téléphone, si tu prends du genre Apple, de trucs comme ça que les gens raffolent, c'est des téléphones qui sont entre, je sais pas moi, 500 ou 1000 euros, un truc comme ça. Au niveau 6 bits, on n'a pas pour aussi cher. Hein. Et, loin de là. Là, c'est une CB Jackson 2 avec un USB, USB. Sauf que pour l'instant, je l'ai pas encore branché, mais il reste plus qu'à le mettre en œuvre. Ah, c'est bien ça. Ouais, le Jackson 2, en plus, il est costaud celui-là. Il est c'est peut-être l'un des meilleurs qui a été fait, hein. Par contre, dommage qu'il n'a pas là le... Putain, mais pourquoi j'ai eu harcèle? J'ai un truc qui déconne. Attends, je vais couper le filtre haut-parleur. Ah oui, ça va mieux. Dommage qu'il n'a pas l'affichage de la fréquence pour quand on bascule en BLU. C'est vrai que c'est ce qui lui manque. Ah ben, le Jackson 2, de toute façon, il est débridable. Hein. Après, il faut connaître la manip. Je le connais pas bien. Qu'est-ce que tu as comme poste, toi? Alors, moi, j'ai le... ça y est, je me rappelle plus. Le Superstar 3009, voilà. Superstar 3009? Non? 3003, il a. Alors, attends, je regarde. Superstar... 3003, d'accord, que je regarde un petit peu là comment il est. Oh, c'est un d'Irlande, il n'est pas tout jeune celui-là. Alors il a que la MFM. Oh putain, oui, qu'il a beaucoup de canaux. Et alors il peut. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 4, 20, c'est 200 canaux. 200 canaux en AMFM. Franchement, vu qu'il a que la MFM, vaut mieux le garder qu'en 40 canaux, hein, c'est largement suffisant.
Aller sur les supérieurs avec ce poste, c'est des coups à te faire emmerder par des stations qui sont en BLU. Donc, avoir autant de canaux sur un poste à MFM, c'est complètement inutile. Ben oui, voilà, c'est les postes à MFM, ce qu'il faudrait c'est juste 40 canaux inférieurs, 40 canaux normaux, voilà, pas plus. Après pour les postes multimodes, ouais, avec les supérieurs en plus, voilà, c'est... je sais qu'on a MFM, jamais je vais sur les sup, ou alors ça va être pour écouter les conneries des Italiens qui sont sur le canal 5 en supérieur en AM, mais bon, pas plus quoi. Hachi trois coups, c'est là justement qu'il faut en profiter pour discuter avec les autres stations qu'il y a plus loin. Quoi. Ah bah c'est ça met du folklore un peu, c'est ça devient d'un seul coup plus joyeux. Ah, c'est de l'animation, c'est clair. Retour sur ton collègue. Ok. Eh hey Fred, t'es où là? Mais moi je t'écoute parler, hein. C'est pour ça qu'il faut faire QSY quand il y a du monde. 40 AM, 40 FM, calibrouille. Ouais, dis-moi, ça pivait sur ta pédale parce que des fois ça me fait des. Ça me fait des répétitions de voix, laisse tomber. Je suis pas là, ça me fait des répétitions de voix, je dirais que la pédale en fait elle donne plusieurs raccourcis dans son mic. T'es pas en train de parler de chambre d'écho là des fois? Ah d'accord, oui, tu veux dire des faux contacts? Aïe aïe, oui, il y a ton collègue là qui voulait dire quelque chose. Oui Fred. Ah oui Fred. Olivier, ça peut venir du bordel que j'avais déjà remis en place, mais est-ce que c'est pas lui aussi qui fait le con? Ah, il y a que toi qui peux le savoir, hein, vu que c'est ton mic. Après, faut que tu regardes, parce que ça c'est pas la première fois, ou alors des fois quand t'as mis dessus et que tu relâches, Pas l'entendre. Ouais, mais quand il y était, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que hier, je t'ai demandé de l'enlever. Parce que chaque fois, je l'entends 3-4 fois d'affilée. Au bout d'un moment, je sais que t'as fini.
C'est vrai que la voiture bip à répétition, c'est un petit peu chiant, c'est pas évident. Ouais, bon, après, il y en a, c'est leur CX qui fait ça, mais lui, en fait, il a juste un bip, c'est un double bip d'un seul coup, et là, ça fait bip, 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 bip. Oh, il va se calmer le truc là ou quoi? Ouais, bon, si c'est que ça encore, il y a plus grave dans la vie, hein, hachis. Ah oui, c'est sûr, bon, c'est un merdeur, mais il y a plus grave, oui, c'est sûr. Il y a le Covid-19 qui est beaucoup plus grave que le bouton du Mike, ça c'est sûr. C'est un bon Covid-19. Et c'est là que je te pose la question, c'est quoi ton QRZ? Covid-19. Ok, c'est bon, je crois que là vous êtes tous les deux baptisés. Un c'est Covid-19, l'autre Corona. C'est pour ça que vous entendez aussi bien. C'est ça, c'est ça. Hé, Dany, c'est où là? C'est sur cette émission ou ailleurs? Non, c'est pas Dany, c'est Dandy. Comme Crocodile Dandy, pareil. Et pour mon prénom, c'est Rémi. Je suis sur scène. Ah, peut-être j'ai remis mon filtre parleur, mais là, il me fait des crasses. Voilà, il me fout du larcel. Voilà, je suis sur Sainte-Colombe. Ah ok, d'accord, ok, affirmatif, il n'y a pas de problème. C'est un module, en fait, en mobile ou en fixe? Ah ben là, je suis en fixe. Ah ok, ok, il n'y a pas de problème, mais même en mobile, l'autre jour, j'aurais enlevé un reportage en même temps, au reportage. Putain, mais tu passes fort, hein, il y a des fois, même sur les... Disons que oui, effectivement, ça développe un peu derrière. Disons que mon but là dans la voiture, c'est au niveau porté d'avoir la même chose que les stations fixes. Comme là, tu verras là, dans cette vidéo là, le matériel que j'ai en fixe, il y a énormément de stations fixes qui ont à peu près ce même genre de matériel. Et donc, depuis la voiture, mon but, c'est d'avoir la même portée. Ce qui fait comme ça, quand je discute avec une station fixe, que j'arrive à une certaine distance, en étant égal, eh bien, on finit par se perdre en même temps. Alors qu'avant, les stations fixes, ils recevaient encore bien fort, et eux commençaient à me perdre. Je me suis dit, là, il y a un truc à régler, quoi. Alors oui, j'ai fait ce qu'il fallait là, au niveau de la voiture, là entre le poste et l'antenne, pour que ça booste un peu plus, quoi. Mais sans trop, juste de façon à être à égalité aux stations fixes, j'en veux pas plus. Ok, mais je cherche un truc comme ça, moi, un petit amplificateur là, pour mettre un tonton, là, pour mettre au cul d'Aniel, hein, parce que, bon, je marche bien, il n'y a pas de problème, mais... Oui, ben voilà, c'est exactement ça. Par contre, le but pour ne pas saturer, c'est qu'il faut rentrer dedans à 50-60% grand maximum.
Donc ça veut dire que le poste que tu as, je sais pas combien il développe, mais bon, il a l'air de bien marcher quand même. Donc faudra lui descendre la puissance à 4-5 watts, pas plus, en AM. Ouais, ça dépend des amplis. Je sais que celui que j'ai dans la voiture, c'est 10 watts maximum AM. Donc je rentre dedans autour de 4 watts, ouais, 4 watts et demi, 5 watts, autour de ça, pas plus. Ce qui fait que je suis jamais saturé, même pour les stations près, là ça passe toujours très bien. Ouais. Voilà, le but recherché, c'est justement de retenir au niveau du poste pour que ça fonctionne très très bien. Sinon, ça fait franchement dégueulasse et ça bave partout. Ouais. Ouais, autour des 10 watts, ouais, ça doit être ça, ouais, je pense. Ouais, ok, ben là, moi, au niveau du poste, là, je suis à 25 watts. Voilà ce que j'ai là au niveau du poste. Ben, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand je passe en émission, comme tu verras sur la vidéo, bon, ça monte à mi-chemin là au niveau du hertzmètre. Là, je suis en position affichage de puissance. Et bon, ça module un petit peu là dessus parce que bon, c'est vrai qu'en AM, l'aiguille arrive à bouger un petit peu. Enfin, le hertzmètre arrive à bouger un petit peu. Mais autrement là, je suis à 25 watts là, au maximum là en AM au niveau du poste. Et vous deux, il n'y a pas longtemps que vous êtes sur la CB, là, vous êtes nouveau dessus, non? Non, moi, il y a... là, je me suis remis, parce que j'étais du côté, avant, j'étais du côté de Cantois, Saint-Brice, Langon, et tout ça, je faisais déjà ici avec des collègues qui étaient du côté de là-bas, et après, j'ai été obligé d'arrêter, parce que le texte... Ouais, donc, ils sont de retour dessus. Ok, d'accord, il y en a un qui... ouais, d'accord, donc vous êtes tous les deux, toi tu es de retour dessus, ton collègue lui il est peut-être nouveau dessus j'imagine, ou de retour aussi, ou enfin je sais pas. Il y en a un qui passe fort aussi sur la route, au niveau de sa CB, c'est Monopoly. Il a un gros poste striker, gros poste américain. Oh la vache, dans ma précédente vidéo, on l'entend, hein, et il m'a tout cassé la voiture. Hachi. Il est en fixe, mais il marche pas mal son
Là, je vois pas. Direction Coutras, non. Non, là, je vois pas, là. C'est un gars qui est en fixe. Je l'ai eu une fois sur la piste sur le 19. J'ai eu une fois et on a discuté. Et puis, ouais, il marche pas mal aussi. J'étais à 7 millions. Il marche, je crois qu'il marche aussi fort que toi. Parce que, ouais, il m'a foutu plein les oreilles. Ouais, j'étais obligé de. D'accord, sur Libourne, tu as en mille pattes, tu as Christophe aussi. Aussi, oui, je l'ai entendu une fois ou deux, pareil. Sur Bordeaux, tu as la belette. Bon, ça commence à pas mal baisser là de mon côté au niveau signal. Et puis pour peu que de votre côté vous ayez du QRM là dans vos véhicules, là je pense qu'on on va bientôt se perdre. Ok, merci. Oui, Fredo. J'arrive à ta hauteur. Ok, voici. Ok, bonne route à vous deux. À la prochaine. Ok, bye bye. Et puis à la prochaine sur la module. Merci, bye bye. Je m'occupe de ça cet après-midi. Et tu auras ça sur YouTube ou n'importe où ailleurs. Hachi, à plus. Et bon gastro, vu l'heure. Ah oui, putain, la vache, il est temps d'y aller. Il est 1h15 déjà. Ouais, mais bon, le gastro. Gastro dur, le gastro liquide. Oh, les cochons. Non, pas trop le roi du chocolat, parce que là, merci pour les crises de froid. Eh bien, il y a du monde, hein, parce que là, maintenant, c'est un autre QSO qu'on entend. Évidemment, on aurait dû faire QSY vu qu'on est resté longtemps dessus. Mais en attendant, ça a quand même déclenché les envies à d'autres de prendre le micro. Donc, eh bien, tant qu'on ne dérange pas, on a peut-être tout intérêt à montrer l'activité comme on le fait là pour obtenir ça là maintenant. Et le jour où on commencera à déranger, eh bien, ok. Hein, En toute logique, on fera que le SY. Attends, deux secondes. Allez, c'est parti pour Kiki, Kiriki. Attention, Kirikou. Voilà. Allez, on veut de vos familles. Bon, le débit, on fonctionne. Action, mat. Bon, je vais te réactiver, je vais te rendre bouillon.
Good job.